visible. Parce qu'on a passé vraiment, on n'avait pas encore vu un éléphant vraiment dans tous ses états. Nous démontrer vraiment un football sur lequel on pouvait compter. On voyait ça comme ça, mais on refusait de croire par la fibre patriotique. Donc on y croyait, mais nous-mêmes, on savait que vraiment et ça allait nous arriver. C'est quand même prévisible. Sinon, moi-même, ce qui m'a un peu déçu, c'était quand même le staff d'encadrement. J'aurais quand même souhaité que, en tout cas, l'ancien staff qui a fait la CAN 2012, vraiment rester en poste pour jusqu'à vraiment conduire l'équipe dans cette nouvelle aventure. Moi, je souhaitais que les éléphants aillent jusqu'à la finale. Et puis, nous avons la coupe au moins. Depuis 92, on n'a pas. Cette année où on a espéré, là, on arrive au quart de finale, ça s'est fini comme ça. Vraiment, ça fait mal, c'est une déception. Ça m'a fait très mal hier. Franchement. Pourtant, on a des bons joueurs. Hein. Il faut qu'on revoie ça, tout, là. C'est compliqué. Les joueurs eux-mêmes, et puis sur le plan technique, avec l'entraîneur, tout. En tout cas, ils doivent se revoir. On n'aurait pas eu un bon entraîneur. Voilà. C'est un entraîneur stagiaire. Donc, il n'y a pas eu une visibilité par rapport au match. Parce qu'on a même peu de milieu. Voilà, c'était déjà la première mi-temps. Donc, ça a été surtout même le coup du match. Il n'y a pas de vision par rapport au match. Voilà. Et ça fait que l'entraîneur en face a exploité nos défaillances. Et là, le but est arrivé. Quoi. Donc, honnêtement, pour moi, c'est l'entraîneur qui est à la cause de ce problème-là. Parce qu'il n'a pas de vision par rapport au match. Devant des grands joueurs, il faut avoir une vision. Et lui, on a l'impression que quand il est assis là, il ne réfléchit même pas du tout. Le match là, c'est une équipe de 11. Et à chaque fois, les 11 doivent s'entendre sur le terrain. Ils vont travailler comme il se doit, parce que chacun ne va pas faire sa tête. Toi, tu prends la balle, toi, tu sais, tu t'en vas. Une fois, tu échoues, tu reviens, et puis c'est terminé. Vous reprenez à zéro, non ? C'est pas normal. Il faudrait qu'il y ait la cohésion entre les joueurs. S'il n'y a pas de cohésion, ils vont toujours avoir des défaites. Bon, ils auraient pu mieux faire. Ils avaient la capacité de gagner le match et ils ne l'ont pas fait. On est déçus, c'est tout. La déception est vraiment très grande. Moi, je suis vraiment très déçu. Parce que j'ai pensé que cette année devait être la meilleure pour que bon, notre pays au moins puisse avoir son deuxième trophée. Malheureusement, ce n'est pas le cas, on est déçus. C'est une belle génération qui part sans rien nous donner. Qu'allons-nous retenir d'eux ? Rien. Nous ne retenons rien parce qu'ils ne nous ont rien apporté. Cette satisfaction morale qu'ils devaient nous donner, ça n'a pas été le cas. Donc vraiment, on est déçus. Bon, c'est la vie, on continue en espérant que bon, les autres années seront meilleures. Mais je tenais aussi à souligner le mauvais coaching. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à cette défaite parce que je pensais que les Ivoiriens avaient gagné en maturité.